Bom dia, je suis Suzuki et je suis content de vous retrouver pour un let's play sur Astro Gears. Alors, je vous explique, ce sera un let's play très court parce que c'est un jeu que j'ai acheté 1 euro au lieu de. Il doit être à 6 euros, peut-être même à. Ouais, je crois qu'il est à 6 euros. J'avais juste envie de vous le montrer, sachant que bah c'est pas un super grand jeu. En fait, ah, c'est ça. Je vous explique, ce jeu-là, c'est juste un snake. Oh, pour le single player. À changer d'autre, dans le faire nounours, vous avez le choix entre le nounours, le nounours, le nounours blanc, le panda et le nounours débile. Donc on va prendre le panda, c'est ce joli. Et tout ce que vous faites, voilà, c'est que vous tournez sur la planète, vous voyez, et vous avez votre queue. Voilà, Jax, c'est tout simplement le concept de CR pour reprendre un truc, et ça mange votre queue. Hop, et que ça mange, sachant que vous pouvez accélérer. Hop, vous pouvez. Je vais vous montrer que vous pouvez sauter aussi. Nul à chier. Et hop, accélère. Hop. Et lui a marqué plus 1, plus 5. Là, j'ai 5 turbos. Et on peut aussi voler. C'est-à-dire que quand tu appuies sur le bouton, tu peux appuyer. Hop, vous volez. Moi, j'ai pas bien compris comment on fait pour déterminer le nombre de temps qu'on vole. Donc, on va se recharger. Plus 2, plus 1. Ah, c'est la petite jauge jaune qui va voler. Je suis mis à chier. Et en fait, ce qui est bien avec ce jeu, Ziaoli, à nouveau. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que, enfin, pour 1 euro, ça passe. Pas le jeu du siècle, on va pas se mentir. Hein, ça passe. Et hop, on va faire un peu de. Par contre, c'est une promotion à 1 euro. Hein. Je crois qu'il est quand même assez cher. J'essaie de faire une partie un peu plus, voilà, pour montrer stage 2 que c'est faisable, c'est jouable. En fait, t'as beaucoup de turbo qui sert pas à grand chose. Sauf quand t'es en multijoueur, quand tu veux passer devant tes camarades. Parce que, ouais, l'essence de ce jeu, c'est pas de jouer seul comme je suis en train de le faire. Là, c'est un peu lâché, on va pas se mentir. Mais. Hop là. Je suis en mode survie de la mort. Mais le but, en retournant au menu, c'est de jouer à plusieurs. Et du coup, lorsque vous jouez, par exemple, ne serait-ce qu'en mode deux joueurs, je vais même essayer de faire encore mieux. C'est de se mettre en mode trois joueurs. Donc là, on est en mode deux joueurs, c'est déjà pas mal. L'écran se divise en deux. Tu peux jouer à deux. Et chacun a sa petite planète, et chacun va hop, sauter, boum, sur l'autre. Et j'ai gagné, parce que l'autre il a rien vu du tout. Enfin bref, tout ça pour vous dire que si vous cherchez un petit jeu sympa, multijoueur, 4 joueurs avec écran splitté, bah vous avez ce petit. J'ai oublié le nom de ce jeu, Astro Bears Party, qui peut faire l'affaire, voilà. Bon, en fait, je vais m'arrêter là, c'est juste pour pas être sûr. Et savoir qu'il existe sur ce. Moi je vous laisse, à tuer les tapis et à bientôt sur le tapis.fr.